sens pas mal, hein. Tu t'es fait plein de nouveaux copains avec cette émission, finalement. Ils sont très bien. Ouais. Ils sont très bien. Ne me dis pas, ils sont très bien, comme si tu m'annonçais la mort de quelqu'un. Non, parce qu'on peut s'amuser. La mort de la chanson, déjà. Je les prends très au sérieux, je veux dire, ils ont comme ça, ils font ça très bien, c'est vraiment, ils sont très bien. Ils sont émus, ils sont contents, et ça ne me donne pas envie de faire de la plaisanterie là-dessus, voilà. Ouais, c'est super grave. Ah ouais. C'est grave, sans déconner. C'est la jeunesse, les chanteurs de la jeunesse et la passion. Grave. La jeunesse et la passion que mettent ces jeunes gens à leur métier, c'est en effet très important. Donc je suis content de voir les parrainer chez Thierry ce soir. Ouais, très bien. C'est cool. Alors, Alan, Pascal ne s'est pas contenté de vous donner votre chance. Il vous donne aussi des conseils. Alors justement, on va tous en profiter. Pascal, quel conseil donneriez-vous à un jeune chanteur qui débute? D'abord, une détermination formidable, c'est-à-dire l'idée qu'on ne veut faire ça et rien d'autre. Deuxième chose, ne surtout pas s'occuper d'être à la mode, parce que là, c'est raté complètement, puisque à peu près, dans toute l'histoire de la chanson française... Mais ils sont à l'abri de ça, eux. Écoutez, je voudrais finir ma phrase, parce que sans ça, je finis ma phrase. Il s'agit des jeunes gens, moi, j'en ai rien à faire, je ne viens pas faire le gugus ici. Je finis ma phrase. Et je vous dis qu'il n'y a pas d'exemple, quasiment, de vedettes de musical dans la chanson française qui sont arrivés en se moulant, en se couchant dans la mode. Voilà. Alors, vous me posez une question, j'essaie de vous répondre le plus gentiment possible. Donc, l'idée, simplement, de ne pas se cavaler, courir dans la mode, parce que le temps de la rattraper, elle est déjà passée. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à un vieux chanteur qui débute encore ? D'être en bonne santé, de chanter plus longtemps, parce qu'il ne faut pas employer ces adjectifs. Thierry, vieux, vous allez l'être bientôt comme moi. Je le suis depuis longtemps. Voilà. Bien. Oula. Quel conseil donneriez-vous à Pascal Sevran, jeune? Je donnerai un conseil à Pascal Sevran, qu'à cette heure-ci, il doit être couché. Bonsoir. Et voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.